Bonjour à tous. Alors là, je vais vous parler de Skyway. Donc d'emblée, vous pouvez aller sur Internet, écrire Skyway. Donc c'est le chemin du ciel. Hein. S-K-Y-W-A-Y. Alors, on sait tous qu'il va falloir, il y a une obligation de nouveaux moyens de transport. Alors depuis 40 ans, il y a un projet qui était mis en action et depuis 3 ans, il y en a les concrétisations. Donc c'est des trains sur rails suspendus, c'est des voitures suspendues. Alors déjà, il y a 30 pays qui ont signé le contrat. La technologie est hors norme, récupération de l'énergie, celle qui est dépensée donc, parce qu'à mesure que le train avance ou les voitures avancent suspendues, l'énergie qu'elles dépensent, il en est récupéré 80%. Donc c'est une technologie effectivement hors norme. Pendant 200 ans, il n'y aura aucun travaux de réfection, il n'y a pas besoin. Et puis, il y a surtout plus de rencontres rail-route. On voit les accidents qu'il peut y avoir hein, lorsque des voitures ou des cars rencontrent un train pour n'importe quel problème qu'il y a pu y avoir de barrière ou quoi que ce soit. De toute façon, ça peut faire des morts et en plus, c'est même nos enfants. Donc, les métaux lourds, ben, il n'y en a pas, parce que c'est de l'électricité. Là, il n'y a plus besoin de diesel. Et puis, bien sûr, nos hérissons, nos lapins, nos plantes, nos fruits, tout est obligatoirement protégé. Alors, le train va à 500 km/h, sans risque. Les voitures sont suspendues à 3,50 ou 4 mètres de haut. Donc, ben, il n'y a plus de bouchons, il n'y a plus d'insultes. Il n'y a plus d'accidents et pourtant les grandes villes seront traversées à 100 km/h. Donc c'est vraiment une très très grande avancée. Alors les gares sont magnifiques. Alors bien sûr il y en a à une ou deux étages, mais il y en a qui sont à 10, 20, 30 étages, on dirait des. Parce qu'il y a des directions, ça part dans beaucoup de directions. Alors, il y a aussi un parc à aller voir en Russie, donc on peut le voir hein, en vidéo. C'est un parc de 35 km de long pour pouvoir voir le train qui fonctionne à 500 km/h et puis aussi les véhicules qui seront dans les villes et puis ceux qui transporteront le fret. Donc, alors ça c'est très intéressant parce que quand il y a un pays ou une ville qui veut investir, ben ils ont juste à se déplacer. Hein. C'est comme quand vous avez quelque chose à vendre, il faut le montrer ou le faire goûter. Ben là, on peut le voir. On peut même l'essayer. Alors bien sûr, il y a une opportunité derrière. Il y a des pays donc, comme les Indes, comme les pays arabes, comme le Brésil. Enfin voilà, il y a plein de pays qui se sont investis. Et eux, bien sûr, ils investissent pas peu. Ils investissent des millions, quand ce n'est pas des milliards de dollars. Mais c'est vrai qu'ils ont voulu, ils ont demandé, ils ont fait en sorte qu'il y ait des petits investisseurs, que ça donne la chance à des personnes de vraiment obtenir beaucoup d'argent simplement parce qu'ils avaient investi 50 dollars par mois. C'est-à-dire, ça fait 42 euros à peu près, 42, 43 euros. Et donc voilà, chaque mois, nous payons cette somme-là. Et il va y avoir, alors déjà ça nous donne l'achat de 42 000 actions. Alors il y a deux possibilités pour avoir ces 42 000 actions. Ou on commence à payer une première fois 100 dollars et après on paye ce qui est prévu, 50 dollars chaque mois. Ou alors, on peut très bien avoir deux personnes que l'on a intéressées à comprendre cette opportunité. Et dans ce cas-là, on ne paye qu'une seule fois les 50 dollars.
Et puis après, on continue chaque mois. Ce qui nous donne 42 000 actions. Alors, qu'est-ce que c'est que les actions? Elles ne nous intéresseraient pas trop si elles rentrent en bourse, parce que la bourse, c'est fluctuant. Non, ce sont des actions qui vont être, dès qu'elles vont être passées à 1 dollar, on va pouvoir les acheter. On va pouvoir, ou plutôt les vendre, pardon. On va pouvoir les vendre. Mais là, on les vend à la société elle-même, parce qu'ils en veulent des actions. Alors c'est sûr que ça sera, alors ça va rentrer donc fin de l'été ou au début du prochain hiver. Alors bien sûr, vous pouvez vendre un peu de vos actions, la moitié ou toutes, ça c'est vous qui voyez. Moi je ne ferai pas comme ça, c'est-à-dire que je prendrai peut-être 10 000 euros, mais je placerai sûrement après le restant à un peu plus cher, c'est-à-dire peut-être 100 dollars par mois, je verrai, parce que là on aura encore plus d'actions. Alors de toute façon, ceci c'est absolu, hein, cette histoire d'action. Par contre, il est vrai que plus on s'approche de l'échéance, moins il y aura d'actions pour l'investissement. Donc, alors, qu'est-ce que je dois encore vous dire? Ah oui. Alors, par contre, il est sûr que, vu l'engouement qu'il peut y avoir par rapport à tous les pays et le nombre d'investisseurs qui sont rentrés, puisque je crois que je vous l'ai dit, ils sont déjà trouvé 100 milliards de dollars. Donc, il y a de grandes chances qu'au bout de 10 jours ou 15 jours, l'action, elle soit à 5 dollars ou à 10 dollars ou peut-être plus. Donc, 10 dollars, si vous avez 42 000 actions, c'est quand même 420 000 dollars. C'est peut-être, je sais pas, peut-être 380 000 euros. Donc là, ça commence à être autre chose, hein, ce que peut-être tous les moyens qui se disent des opportunités. Alors bien sûr, sur Internet, vous aurez un back-office et vous saurez tout. Alors la seule chose à faire, c'est de payer vos 50 dollars chaque mois. Donc vous serez au courant de toutes les étapes. Et puis comme moi, vous pourrez vous intéresser aux technologies supérieures des bétons, des aciers, des piliers, les conforts des trains ou des voitures. Et il y a même certaines voitures en ville qui seront prévues pour que les gens fassent du sport. C'est-à-dire que, bon, il y a à peu près 6 ou 7 personnes dans une voiture et ils pourront pédaler, bras et jambes, c'est eux qui choisiront, pour pouvoir faire avancer la voiture. Peut-être qu'elle n'ira pas à 100 km/h, mais bon, si ça peut faire plaisir à des gens. En fait, c'est vraiment du matériel de luxe aussi, hein. Il faut voir ça. Voilà, donc c'est l'opportunité Skyway. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne mon mail, Roland Billotte 84. Alors Roland, Roland Billotte, Billotte 84, tout en petites lettres et tout attaché, @gmail.com. Si vous voulez m'appeler par téléphone, c'est le 06 33 35 04 49. Si vous voulez m'appeler sur mon fixe, c'est le 09 84 19 69 76. Alors il y a quand même un détail, c'est 50 dollars. Si vous avez rentré 5 personnes, il y a un peu de dollars qui sont donnés directement, ce qui fait que très vite, ben, vous ne payez même plus vos 50 dollars, ils seront dans votre back-office par ceux qui sont en dessous. Bon, ce n'est pas un système de marketing, ce n'est pas un système pyramidal, bien entendu, sinon ça vous fait mériter la prison. C'est surtout une opportunité parce que c'est le futur. Alors, il faut quand même savoir que je vous ai dit au départ qu'il y a une obligation de nouveaux transports. Il faut savoir que les rails sont maintenant obsolètes. Il faudrait les changer tous les 50 ans. C'est pas fait partout. Peut-être que vous avez vu ça déjà, ce qui se passe la nuit. Moi, je l'ai vu derrière chez moi, puisque j'ai le TGV qui passe à 200 à l'heure, en surplomb d'ailleurs.
Et puis, pendant à peu près un mois, tous les soirs, on voyait un énorme truc sur les rails qui arrivait, avec plein de lumière. Et pendant la nuit, bah, ils changent les rails, ils retassent, ils remettent du ballast, ils retassent les ballasts. Donc tout ça, c'est quand même un peu archaïque par rapport au fait que des trains passent là-dessus à 200 ou 250 km/h. Très bien, c'est vous qui jugez. Moi, je vous ai montré cette opportunité et si ça vous intéresse, vous avez mes coordonnées. Très belle fin de journée, à très bientôt. Si vous voulez que l'on se rencontre et que je vous apporte des éléments correspondants à vos questions. Au revoir, à bientôt.